Oui, on a obtenu, j'ai obtenu de la fédération et puis de son DTN, Gérard Rouillet, la possibilité d'avoir une préparation sur 5 semaines. J'espère que ça porte ses fruits. Et puis surtout, l'engagement, sans compter des joueurs, qui apportent sur le terrain une fraîcheur que l'on attendait, un enthousiasme qui plaît au public. Et puis surtout, on est la meilleure attaque du tournoi. Oui, c'est sur 12 buts, hein, contre 10 pour l'Espagne. Hein. Ouais. J'espère qu'on gardera cette différence à l'arrivée vendredi soir. Ce que je souhaiterais, c'est que cet élan, il le garde pour le futur, le proche, puisque quelques-uns vont intégrer les espoirs l'année prochaine. Voilà, c'est cet élan-là qu'il faut absolument. Mais force est de reconnaître que c'est plus facile à inculquer, à donner dans les sélections de jeunes qu'au-dessus. Forcément, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte.